dans la cité de Sake, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Sake ce jeudi 22 février 2024, le 23 bar RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayuta, Mayuta 2, dans la cité de Sake en territoire de Masisi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de deux enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Voilà. Mesdames et messieurs, de partout où vous vous trouvez, nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous suivre sur Congo Live Télévision en direct de la ville de Goma, l'Est de la République, pour vous édifier, pour vous donner plus de détails à ce qui concerne l'Est. Yamboka, bienvenue à suivre ce dernier numéro de la semaine de ce samedi 24 février 2024. Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, mais également philanthrope de nature, notre invité du jour, Monsieur Moïse. Bienvenue et bonjour encore une fois de plus. Bonjour à vous, très chers journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout à travers le pays. Loin d'être philanthrope, je suis évidemment un Muzalendo. Je suis tout de même un activiste et défenseur des droits de l'homme. Très chers téléspectateurs, c'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous. Nous espérons qu'ensemble, nous allons décrypter l'actualité du pays et beaucoup plus l'évolution de la situation sécuritaire ici à l'est de la République démocratique du Congo, notre très cher et grand pays. Je m'en vais aussi saluer nos aînés, nos compatriotes, frères et sœurs de la diaspora congolaise qui sont des téléspectateurs habitués de cette émission. Merci pour votre attention apportée à Congo Live Télévision. Bonjour à nos compatriotes qui sont aussi partout à travers les continents africains, partout à travers effectivement le monde. Je vous salue de tout cœur. Pamoja. Déjà pour commencer, Monsieur Moïse, depuis la ville de Goma où on est, après un instant, dis-nous comment se porte cette ville. La ville de Goma, on est là, elle se porte à merveille malgré l'incertitude qui demeure, parce que vous savez, jusqu'à présent, nous ne sommes pas parvenus effectivement à neutraliser comme il se doit les rebelles du M23 appuyés par les Rwanda et l'Ouganda. Voilà pourquoi je vous dis qu'on est là, mais l'incertitude plane, parce que d'un moment à l'autre, nous pouvons effectivement être surpris. Vous savez, les rebelles du M23 continuent à s'apprendre à la population civile, mais quand même, on garde l'espoir et nous restons aussi intacts, tout en espérant que, fin des fins, le gouvernement congolais, nous tous, peuple congolais, nous pourrons mettre fin à cette guerre d'agression dont notre pays, le Grand Congo, est victime. Sur Congo Live Télévision, de partout où vous trouvez, vous êtes en train de nous suivre partout au monde, Monsieur Moïse. On parlera de plusieurs actualités à ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Mais allons-nous-en d'ailleurs d'abord dans le territoire de Rutshuru. On parlera des poursuites des affrontements en territoire de Rutshuru. Une question est de savoir pourquoi les FRDC ou l'armée congolaise n'arrivent pas à fermer ou à bloquer ces trous auxquels les M23 utilisent
pour se multiplier, pour faire leur entrée sur le sol congolais. Alors, nous avons été parmi ceux-là qui n'ont pas cessé effectivement d'alerter les autorités par rapport effectivement à cet état des choses. J'étais parmi ceux-là qui ont contacté pas mal effectivement des membres du gouvernement, le gouverneur de province très spécifiquement et même certaines autorités de Kinshasa, comme pour les appeler à pouvoir essayer un peu effectivement de couper court à cette chaîne d'approvisionnement, à cette ligne d'approvisionnement de la rébellion du M23. Parce que vous le savez, ils traversent la frontière à travers effectivement cette partie ici, donc Goma jusqu'au niveau de Kibumba. Et c'était impérieux pour le gouvernement. Jusqu'à présent, il y a lieu pour le gouvernement de pouvoir tout mettre en œuvre pour essayer un peu de couper effectivement ce canal-là. Malheureusement, jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais je pense qu'il faut en tout cas commencer par le commencement. Il faut résoudre les problèmes à travers les causes profondes. Et parmi les causes profondes de cette guerre, au-delà effectivement du fait que nous connaissons effectivement la ligne à travers laquelle les éléments RDF se déversent, vous le savez, il y a d'autres revendications qui ne sont pas fondées et qui ne doivent vraiment pas porter notre attention ou l'attention du gouvernement. Mais pour l'heure, je pense que c'est vraiment une urgence pour le gouvernement, pour le président de la République, de pouvoir déployer toute une ceinture militaire tout au long de la frontière congolo-rwandaise, façon de permettre à ce que les militaires RDF ne se déversent plus sur notre territoire, comme s'ils étaient dans une douche ou dans une toilette. Quoi. Mais monsieur Moïse, est-ce que ces militaires qu'il faut leur entrer sur le sol congolais font aussi des sorties de même comme il faut l'entrée sur le sol congolais? Monsieur le journaliste, la plupart de ces gens ne rentrent pas. Ils se déversent sur notre territoire. Et c'est par force, c'est aussi important de le préciser, le militaire rwandais et les jeunes rwandais qui traversent la frontière congolaise pour venir appuyer la rébellion du M23 afin effectivement de massacrer les populations congolaises, c'est, la plupart des gens ils sont manipulés. Ils ne viennent pas ici de leur propre gré, mais c'est le gouvernement de Kigali qui les oblige effectivement de les faire. Et moi, je pense qu'il faut que nos compatriotes rwandais essaient un peu de s'émanciper et refuser cette manipulation. Chers Rwandais, n'acceptez pas cette manipulation de M. Paul Kagame. Les Congolais sont vos frères, nous sommes vos voisins éternels. Personne ne déplacera la frontière entre notre pays et le vôtre. Et votre président aujourd'hui, qui a décidé effectivement de massacrer les Congolais, il est à bout de souffle. Son règne tend à son déclin. D'ici là, il va céder le pouvoir. Et si vous acceptez de continuer à vous laisser manipuler et par ces messieurs, je vous dis, vous êtes en train de mettre votre avenir effectivement en étau. Vous êtes en train de mettre votre avenir en danger parce que nous resterons des voisins éternels. Donc moi, mon appel présentement, c'est vis-à-vis de nos compatriotes rwandais, en tant que des panafricanistes, en tant que des dignes fils de ce continent, nous devrions comprendre que tout ce qui nous divise ne devrait pas, en tout cas, nous préoccuper. Plutôt, nous devons essayer un peu de consolider et de promouvoir tout ce qui nous permettra effectivement de vivre en harmonie et de vivre en paix. Voilà pourquoi moi je pense que ces Congolais qui aussi acceptent de se laisser manipuler par la rébellion du M23, j'ai pitié pour eux. Il faut la honte. Les gens comme le Nanga et les autres, c'est en fait des traîtres et qui n'ont pas d'avenir. Ils finiront très mal. On va le parler ici, dans cette émission, M. Moïse, donc tout au long de cette émission, dans notre état. D'accord, d'accord. On va parler aussi de là où est arrivé M. Nanga, quel est son sort aujourd'hui, devenu militaire et tout le reste, on les parlera dans la suite de cette émission. Mais parlons-en d'abord de ce que la communauté Tutsi du Congo a dénoncé depuis hier après juste une rencontre avec le gouverneur militaire Peter Chirimwami. C'était en Addis Abeba où le président rwandais Paul Kagame a fait savoir qu'il y a une communauté qui est marginalisée en RDC, c'est-à-dire il parlait de Tutsi, on peut le dire. Ouais. Une première question est de savoir, est-ce qu'au Congo il y a des communautés
ou au Congo, il n'y a que des tribus? Ça, c'est une première question. La deuxième question de savoir, qu'est-ce qu'on peut noter de ce qu'a déclaré le président rwandais Paul Kagame et ce qu'a déclaré la communauté Tutsi qui n'a jamais, jamais délégué Kagame aller plaider leur cas, aller parler pour eux. Ils ont nié tout ce que Kagame a dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors pour moi, c'est un ouf de soulagement. C'est cette déclaration qui a été effectivement faite par le compatriote de la communauté Tutsi ici à Goma même, lorsqu'ils se sont entretenus avec l'autorité provinciale. Vous vous souviendrez avec moi que parmi les alibis qui sont brandis la plupart des fois par Kigali, à chaque fois qu'ils se retrouvent dans des salons diplomatiques et dans des rencontres à l'international avec la RDC et très pratiquement les chefs de l'État ou même les chefs de la diplomatie congolaise, les Rwandais essaient un peu de brandir cette préoccupation comme étant un alibi. Et le président de la République ne cesse effectivement de clarifier cette affaire-là. Au Congo, nous avons plus de 400 tribus. Nous vivons tous en paix. Toutes ces tribus sont ici et il n'y a pas de problème. Mais une seule se permet effectivement de se marginaliser et de raconter de longues histoires comme quoi ils sont marginalisés. Moi, je pense que c'est aujourd'hui un alibi qui n'a plus de fondement parce que le monde entier a compris que plutôt cette guerre dont les Congolais sont victimes, c'est issu de la mauvaise foi de M. Paul Kagame. Je voulais donc dire... Pardon, dans des salons diplomatiques, Kagame a toujours brandi ça comme cause. Mais la communauté Tutsi a nié avec toute énergie ces allégations. Une preuve de plus, comprenez donc que M. Paul Kagame, c'est en fait quelqu'un qui s'est menté. Parce que cette même communauté, Excellence, Monsieur le Président, vient de nier noir sur blanc tout ce que vous brandissez comme allégation à la République démocratique du Congo. Et c'est tout ce que nous ne cessons de dire. Les Tutsis, ce sont nos frères. Ils sont au Congo, partout, dans les hauts plateaux de Fizi, il y a beaucoup de Tutsis. Le gouvernement congolais est parvenu même à les accorder, effectivement, toute une commune. Tout le monde sait cette histoire de la commune rurale de Minembwe. Même ici en province du Nord Kivu, ici à Goma même, il y a les Tutsis. Est-ce que vous voulez dire que c'est seulement les Tutsis qui sont discriminés? Non, d'ailleurs pas, parce qu'à Goma, on a les Hunde, à Goma on a les Nyanga, ici à Goma nous avons les Bangala, ici à Goma nous avons effectivement les Baluba, on a plus de 400 tribus et nous vivons en paix. Ouais, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici à Goma qui puisse dire qu'il est discriminé parce qu'il est Mukongo ou parce qu'il est Hunde ou parce qu'il est Tutsi. Ce débat-là se révolue. Allez-y donc comprendre que petit à petit, nous sommes en train effectivement d'élaguer tout l'argumentaire qui est présenté par Kigali à l'international comme pour vouloir tirer les drapes de son côté. Et petit à petit, nous allons en finir avec presque tout ce qu'ils brandissent comme argument ou tout ce qu'ils brandissent comme alibi, et le monde entier va se rendre compte que nous sommes des innocents, nous sommes victimes effectivement d'une guerre d'agression qui a plutôt des connotations économiques que tout ce que les Rwandais brandissent comme argument. Je félicite effectivement nos compatriotes Tutsi qui se sont entretenus avec l'autorité provinciale et j'estime que c'est aussi un courage de leur part. Ce n'est pas n'importe qui, il y a d'autres compatriotes Tutsi qui ont peur, qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils savent que non, ils vont subir la pression. Mais ces compatriotes, ils ont essayé un peu effectivement d'avoir ce courage-là, de se prononcer et de dire au monde entier tout haut ce que nous ne cessons effectivement de dire. Merci beaucoup, très chers compatriotes. J'appelle tout de même à travers cette occasion les Tutsis aussi, qui sont au sein même du M23, de pouvoir se désolidariser avec cette rébellion et de pouvoir se placer du bon côté de l'histoire. Vous n'êtes là que pour juste vous sacrifier pour rien. Et votre, effectivement, Big Boss, il est dans des hôtels luxueux, il est à Kigali, mais il vous sacrifie pour rien. Les Congolais, on n'a pas de problème avec vous. Le gouvernement vous a demandé, si vous voulez être cantonné, approchez les services habilités et on va vous cantonner. Si vous voulez effectivement vivre au Congo en paix, il n'y a pas de problème, nous accueillons tout le monde. Mais si vous acceptez de continuer à vous laisser manipuler par Kigali et par l'Ouganda, je vous assure que vous avez paix d'état sur cette terre parce que vous allez mourir comme des mouches, vous allez mourir effectivement comme des gens
qui ne savent pas dans quoi est-ce qu'ils se retrouvent. Je vais vous rappeler, avant peut-être de mettre un terme à ces points, messieurs les journalistes, qu'il y a d'abord ce point-là relatif effectivement à la discrimination de la tribu, de la communauté Tutsi. C'est révolu parce qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Kagame continue à dire qu'il a des terres au Congo. Ce qui est faux parce que les colos avaient eux-mêmes tracé les frontières et au moins chacun connaît là où effectivement ses limites, ses frontières. Moïse. Dans ce même angle d'idée, certains Congolais font savoir que dans une partie du Rwanda, il y a une partie que les Rwandais ont volée appartenant aux Congolais, à la province nord. C'est probable, monsieur les journalistes. Je crois qu'il faut effectivement essayer un peu d'approcher effectivement nos vieux et les anthropologues. Effectivement, mais je pense que c'est plutôt de l'autre côté où on peut retrouver nos terres. Il faut se renseigner plus parce que nous, on ne sait pas. Ils ont tout un petit pays. Le Congo, c'est en fait tout un grand pays, mais je ne parviens pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils continuent à convoiter nos richesses. Je pense qu'il faut mener une étude assez profonde par rapport à ça. Et d'un moment à l'autre, ne soyez pas surpris que nous apprenions qu'il y a plutôt des terres congolaises au Rwanda. Ils n'en ont pas ici chez nous, c'est clair. Et ça, on ne peut plus effectivement se pencher par rapport à cet argumentaire. Une autre chose que le Rwanda brandit comme alibi, c'est par rapport effectivement à ce qu'ils appellent des protocoles d'accord conclus entre eux et la République démocratique du Congo. Tenez, le président Honoré Joseph Kabila les a approchés en 2013 et a presque tout cédé. Kabila a donné au M23 et au Rwanda presque tout un paradis. On les a intégrés dans l'armée. On leur a accordé tout un parti politique pour effectivement accepter leur intégration au sein des institutions politiques. Le président Joseph Kabila est parvenu même à approuver l'intégration de militaires RDF et M23 au sein de nos services de sécurité. Monsieur les journalistes, on est parvenu même loin de là à accepter effectivement l'exploitation de chaînes de valeur de nos ressources minières conjointement avec les Rwandais. Ils se sont enrichis dans tout ça. Mais à notre triste souvenir, à notre triste surprise, le M23 a surgi. À l'époque même, comme aujourd'hui même, ils viennent encore de se dissoudre, il y a les Jean-Marie Runiga qui se sont frustrés parce que le cas de Bissimwa était en train, je dirais, de s'accaparer de la grande partie de toutes les concessions leur offertes par la RDC. Jean-Marie Nouringa s'est récupéré dans la rébellion parce que là, il était le porte-parole. On a nommé effectivement Bertrand Bissimwa comme président en 2013. Jean-Marie Nouringa a approché le président ougandais et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont commencé à former leur camp. Et Bissimwa, lui, s'est orienté plutôt aux côtés de M. Paul Kagame au point qu'ils ont continué. À l'époque, les camps de Runiga, ils ont accepté le cantonnement en Ouganda. Ils se sont orientés de l'autre côté. Mais les camps de Bissimwa, ils se sont réorganisés et la plupart d'entre eux ont regagné Kigali et d'autres sont restés ici au Congo, maintenant, dans les parcs de Virunga et les restes. Aujourd'hui, qui viennent encore de se dissoudre, je pense que c'est un ouf de soulagement pour nous. Nous comprenons que même entre eux, il y a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, je veux vous rassurer que la RDC n'a pas à vous donner. En tout cas, on ne va plus accepter de vous intégrer ni dans l'armée. On ne va même pas vous donner des postes dans l'administration. Vous n'aurez rien. Monsieur Moïse, comme il brandissait toujours la communauté Tutsi qui a été marginalisée d'après eux au Congo, ils ont mis certains enfants du pays devant ces mouvements rebelles du M23 comme Corneille. Ils les ont obligés d'intégrer. Et maintenant, une question de savoir. Si il n'y a pas de terres qui leur appartiennent au Congo, si il y a des enfants, comme il vient de mettre des enfants congolais à la tête du M23, et que les Tutsis du Congo refusent que Kagame n'est pas, ils ne sont pas d'accord avec ce que Kagame a dit, qu'est-ce qu'on peut alors retenir de ce mouvement des rebelles du M23 dans tout ce qui se passe? Tenez,
compte tenu du fait que tout ce qu'ils brandissent comme état à revendication, c'est déjà révolu, c'est non fondé. Est-ce je que pense que ils tendent... ça signifie que c'est une affaire interne? Non, ça s'appelle manipulation. C'est comme pour vouloir légitimer effectivement leur bavure. Ils veulent que le monde entier dise que non, il y a des Congolais qui chapeautent même ces mouvements. Donc leurs revendications peuvent être légales, peuvent être plutôt fondées et le reste. Mais nous, nous savons que ces gens, ce sont des traîtres. Nanga, il n'est plus le nôtre. La RDC l'a vomi. C'est un traître et nous ne le comptons plus parmi nous. Ce n'est plus un Congolais, ce monsieur. De son cas, mon frère Moïse Haï, de son cas, est-ce que Corneille Nanga, au départ, il était militaire? Il n'était pas militaire. Il n'était pas aperçu. C'est un enfoiré. En fait, Nanga, c'est un traître. Je vais dire, c'est quelqu'un que nous avions perdu parce qu'il n'a pas compris que la RDC l'a tout donné. Est-ce que vous savez que Nanga a eu des millions et des millions en gérant effectivement la centrale électorale? Aujourd'hui, il a des villas partout à travers la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs ce monsieur effectivement qui a créé, il est parvenu même à créer un parti politique. J'imagine qu'il tentait d'accéder au pouvoir. Il a compris que non, il a de très mauvaises réputations avec le peuple congolais. Voilà pourquoi il s'est désorienté. Mais tout ce que je dois dire à Nanga, un message très particulier à ce monsieur, c'est qu'on est déçu de lui. S'il est révélé aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter. Les Congolais c'est des diasporas, des partout. Il a accepté d'être. Si Nanga revenait aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Chers téléspectateurs, je ne vais pas effectivement me substituer en vous, mais je pense que vous le direz en commentaire. Pensez-vous vraiment qu'on peut encore accepter un monsieur comme Nanga? Il est à la base de toutes ces théories qui sont en train d'être effectivement enregistrées partout à travers la province, dans les Rutshuru, dans les Masisi et dans les Nyiragongo. Et c'est un monsieur, effectivement, qui a réussi tout de la République. Mais il a décidé de trahir ce grand Congo. Je pense que les ancêtres l'observent. Dans l'au-delà, il finira très mal. Nanga, il finira avant très mal. Allons-y seulement. Avant de s'en aller dans les territoires de Masisi où on sera en train de finir, mon frère Moïse Hangi Muzalendo, vous êtes aussi Muzalendo? Absolument, je le suis. Tout le monde, on doit être les Wazalendo. Est-ce qu'il y a encore des traîtres qui se trouvent dans l'anonymat, qui collaborent peut-être comme Nanga, mais qui sont dans l'anonymat? Ce n'est plus un secret des polichinelles. C'est clair. Est-ce que vous savez parmi les causes qui sont entrées, effectivement, d'être à la base, je vais dire, de la persistance de l'insécurité ici à l'Est, il y a aussi ça, en fait. Notre appareil sécuritaire, il est, je vais dire, infiltré. Nous avons déjà aujourd'hui qui ont un pied au niveau de l'ennemi et l'autre au niveau de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je m'en vais donc ici solliciter l'implication du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, du VPM de la Défense et du chef d'état-major général, de pouvoir en tout cas tout mettre en œuvre pour que nous puissions mettre de côté ces infiltrés qui sont ceux de l'armée. Je vous assure, ce sont eux qui transmettent à chaque instant les informations et les plans de guerre qui sont tracés et établis par l'hiérarchie de notre armée. Comment vous analysez les messages du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'égard de Wazalendo lors de ce briefing aventure? C'est un message qui vaut son pesant d'or, dans le sens qu'il essaie un peu d'encourager et de féliciter ces jeunes qui se battent corps et âme pour la défense de l'intégrité de notre territoire. Ces jeunes qui font la fierté aujourd'hui de notre pays. Je pense que le président de la République a très bien fait. C'est peut-être ce serait maintenant intéressant de passer par les actions, par l'acte. Tout ce que nous attendons de la part du chef de l'État, c'est d'appuyer ces jeunes, c'est de les accorder effectivement une attention particulière. Nous demandons tout de même à nos compatriotes de la diaspora et toute personne de bonne foi qui estime que les Wazalendo font un travail de titan, un travail qui mérite effectivement d'être encouragé, de pouvoir faire un geste à leur égard. Autant que nous pouvons le faire pour les militaires, autant que nous pouvons aussi le faire pour nos compatriotes déplacés qui sont partout éparpillés dans des cas ici à Goma. Très chers téléspectateurs, je vous demande avec tout le respect et avec toute la confiance que nous avons envers vous, de pouvoir faire un geste à l'égard de Wazalendo et des déplacés de guerre qui croupissent dans des cas de déplacés et qui ont laissé leur village. Le mouvement du 23 mars a montré encore une fois que la force est ajoutée du jour au lendemain. Raison pour laquelle même la largue des bombes sur le plus humble citoyen congolais la nuit de cette aventure.
De ces faits, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ils sont plutôt entrés, effectivement, de... Ils sont déjà à Sake? Oula, à Sake. Vous avez vu un militaire RDF à Sake. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que les M23, ils sont aux abois. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Voilà pourquoi... Parfois, ils sont en train de tenter de déverser leur colère sur les populations civiles. Ils ne sont plus à mesure aujourd'hui de faire les bras de fer avec les FARDC vis-à-vis. Non, face à face, non. Qu'est-ce qu'il faut? Ils essaient un peu, effectivement, de s'orienter sur plusieurs montagnes, plusieurs collines et orientent directement des frappes, des bombes sur les populations civiles dans l'objectif de créer des paniques et une psychose généralisée. Comme ça, certaines personnes qui n'ont pas de cœur dire peuvent se vider de la ville de Goma et là, ils seront en train d'atteindre leur objectif. Mais nous leur disons ceci. Même s'ils vont continuer à larguer des bombes sur les populations civiles, on ne va pas quitter Goma. Très chers compatriotes, restons tous ici. On ne va pas quitter aussi Sake. Et ça, nous ne cessons de le dire. Nos compatriotes de Sake, ne paniquez pas. Restez là-bas et le Wazalendo, le peuple congolais, tous ensemble avec le gouvernement, nous allons nous mobiliser et nous serrer les coudes comme un seul homme en vue de neutraliser ces aventuriers. Un mot pour le FARDC. Je réaffirme effectivement ici mon soutien défectible et rassurer à nos vaillants militaires FARDC, aux jeunes Wazalendo qui sont en train effectivement de défendre le pays au prix de leur vie. Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager à ne pas croiser les bras. Merci. La RDC reste sous menace, sous une guerre d'agression, Moïse, et nous ne pouvons pas, en tout cas, croiser les bras au risque de perdre une partie de notre pays. Congo Live Télévision, votre numéro, monsieur Moïse Avanté. Très chers téléspectateurs, nous sommes sur le +243 99 25 42 946. Merci de nous écrire sur WhatsApp. Nous sommes aussi sur RTL Money à travers ce même numéro. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants de votre fidélité sur Congo Live Télévision. De partout où vous vous trouvez, passez une excellente journée, bon week-end à vous et à ce lundi pour un nouveau numéro. Merci, monsieur Moïse. Pamoja. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse également la République démocratique du Congo. Excellent week-end chez vous. Uzalendo Utashinda.